Aujourd'hui, comment stocker son arme en mode survivaliste? Alors c'est très simple, vous allez voir. C'est très simple. Donc vous chargez votre arme dans 4 chambres. D'accord? Lorsque c'est fait, vous y mettez de la graisse. Moi j'utilise de la vaseline. Vous en mettez un maximum. Et vous bourrez bien, moi j'utilise un bâton de glace. J'en mets un maximum, j'écrase bien avec mon bâton de glace, comme ça, et j'en mets au maximum. Ça, c'est pour protéger la poudre qui est ici dans la chambre, poudre, il y a la balle, et ça la protège de l'humidité. Donc, vous avez 4 chambres avec une balle et 2 vies. Vous avez mis votre graisse, donc ça ne peut pas vous défendre, mais vous avez déjà la poudre et la balle. Ensuite, vous venez mettre vos amorces. Là, vous le mettez sur 6 chambres. Résultat, vous avez une arme prête à tirer, mais avec 2 tirs de sommation. Donc, comment faire? Eh bien, c'est simple. Ici, vous avez vos amorces, dont 4 avec des balles devant. C'est-à-dire que si vous tirez cette amorce, la balle va partir. Nous, ce qu'on veut, c'est d'abord faire peur. On ne veut pas tuer, on ne veut pas blesser. On veut juste être tranquille. Donc, quand c'est fait, vous repérez les chambres où il y a les 4 balles, d'accord? Donc, vous le tournez, là, j'ai 1 balle, 2 balles, 3 balles, et là, vous arrêtez. Hop! Ce qui veut dire que quand vous allez faire aller votre chien au cas où on vous menace, si vous appuyez sur la gâchette, c'est une amorce qui tire. Vous appuyez sur la gâchette, c'est une deuxième amorce qui tire. Ça, c'est pour le cas où vous auriez tellement peur et que vous... Le premier coup, vous avez peur, donc vous avez tiré, c'est une amorce, ça vous fait réveiller ou vous dire, bon, ouais, j'ai peut-être été un peu impulsif. Ou alors, ça a fait peur à votre assaillant ou à l'animal et il est parti. N'oubliez pas que le suivant, il n'y a pas de balle. Ce qui veut dire que si vous faites pan et que ça n'a pas marché, le suivant, vous n'êtes pas protégé. Donc, il va falloir redonner un coup. D'accord? Si vraiment vous êtes certain d'être dans la misère, au bout d'un coup, bah vous avancez la chambre. Sinon, vous n'êtes pas... Donc là, on est prêt à le stocker. Alors, 2 choses. S'il y a des enfants à la maison, l'arme est obligatoirement sous clé et en hauteur. D'accord? Ensuite, 2e conseil. Là, je vous ai dit 4 chambres avec une balle, 6 avec une amorce. Si vous vous baladez beaucoup en mode survivaliste, la première chambre, vous ne mettez pas d'amorce. C'est-à-dire qu'elle est comme ça. D'accord? Elle est vide. Pourquoi? Parce que si vous l'avez à la ceinture ou dans un sac, si ça bouge ici avec le temps, ça pourrait très bien venir taper dedans et faire péter l'amorce. Vous faire repérer ou tout simplement vous faire peur, ou imaginons vous êtes à cheval, ça fait peur au cheval, vous tombez, vous êtes mort ou blessé, puis vous êtes... Donc vous mettez pas d'amorce. Et pour moi, ça c'est le meilleur stockage de votre arme survivaliste. C'est-à-dire, première chambre, rien, il y a une balle, il y a la charge, mais pas d'amorce. L'avantage c'est qu'en mettant une amorce, il vous reste une balle, vous en auriez besoin, vous n'avez pas besoin de recharger, imaginons que vous avez tiré vos 4 balles, vous êtes encore emmerdé, vous rajoutez une amorce, vous avez encore une balle, ça peut vous sauver la vie, ça va très vite. Donc première chambre, pas d'amorce, une balle. Chambre suivante, amorce. 4 chambres suivantes, amorce plus balle. Bien graisser les chambres et ensuite vous obtenez ça. Donc là c'est mon Colt 1862 Sheriff. Donc vous voyez bien en façade la différence, 2 chambres vides, visibles 2 chambres. Pleine, graisse, la balle, papier derrière. Donc ici il y a une chambre, elle est pleine. Ici en dessous il y a une chambre, elle est pleine. Donc si je me mets en mode de tir, ça bascule par là. Et donc j'arrive, d'accord. Là j'arrive sur une chambre qui sera vide. Si je tire, d'accord. Le barillet tourne par là. Et vous voyez donc droit que là il n'y a rien. Donc si je tire, c'est à vide. Le suivant c'est pareil, il est à vide. Ensuite on rigole. Donc vous obtenez ça, une très belle arme qui est prête à vous défendre. Mais avant toute chose, elle est bien stockée à l'abri de l'humidité et il y a 2 coups de semonce ou 1 coup. Comme je vous l'ai dit, ça c'est la maison. Si vous vous baladez, la première chambre vous mettez une balle, vu que la laisse est vide, mais vous ne mettez pas d'amorce. Donc ça veut dire que quand vous allez tirer le chien, n'oubliez pas, si vous optez de tirer, ça va rien, il va rien se passer. Donc n'oubliez pas que cette chambre-là, celle que je viens de vous dire qui n'a pas d'amorce mais une balle dedans, vous la mettez ici au-dessus. Ce qui fait que la suivante, il n'y a que l'amorce. Ça sera 1 coup de semonce. Mais au moins, quand ça balade, le chien, on ne sait jamais s'il viendrait à avoir un peu de jeu, s'il viendrait à taper l'amorce que vous voyez ici. Comme il n'y en a pas, ça ne fera rien du tout. Imaginons que nous sommes à cheval, les secousses peuvent être... Voilà. Et n'oubliez pas, encore une fois, s'il y a des enfants à la maison, l'arme en hauteur est sous clé, impératif, et la clé, elle n'est pas à côté.
de la zone de stockage. La clé, vous la mettez à plusieurs mètres, planquée. Si vous avez une urgence, vous trouvez la clé, vous ouvrez votre petit coffre, l'arme est en main. Pas pour votre gamin. Et la clé, vous la stockez pas à une hauteur d'enfant. Voilà les petits loups.